te vienne. Pour ce nouveau numéro de Made in 87, je vous amène à Château-Pensac, dans l'exploitation de Céline Daubord, qui fabrique de la moutarde en y ajoutant du miel de ses abeilles noires du Limousin. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis Céline, le visage derrière Liloubeille, apicultrice paysanne herboriste. Et aujourd'hui, je vous présente la fabrication de ma moutarde au miel donc issue de mes abeilles, les abeilles noires du Limousin. Donc cette moutarde fabriquée avec donc mes graines de moutarde issues de mes cultures, donc le vinaigre de pomme issu de mes vergers et donc le miel issu de mes abeilles. Ça fait à peu près 3 ans donc que j'ai commencé la fabrication de cette moutarde qui au départ donc voilà la semence hein, était uniquement à but mellifère pour mes abeilles puisque c'est une fleur qui regorge de nectar et de pollen et je me suis dit pourquoi pas avec les graines fabriquer de la moutarde. Et donc c'était parti, 3 essais. Et donc le 3e essai, c'était le bon, avec une moutarde très très fruitée, très très douce en même temps, avec ce petit côté d'amertume. Et voilà, la petite douceur du miel, la petite touche Liloubeille. Je suis sur une petite production, donc à peu près 100 de pots par semaine, puisque derrière il y a énormément de travail, notamment sur le tri. Donc c'est une graine qui est récoltée à la main, qui est séchée aussi sur clay, qui est retriée donc à la main, mise en macération dans du vinaigre de pomme, donc le vinaigre de pomme issu de mes vergers. Donc ensuite j'incorpore le miel et 98% des ingrédients qui constituent ma moutarde proviennent de mon exploitation et de ma production. Donc ensuite j'ajoute bien évidemment donc le sel de Guérande et un petit peu de curcuma, donc tous les ingrédients sont bio, voilà, pour avoir une moutarde très très fruitée, avec ce petit goût d'amertume, pas trop piquant, pardon, mais juste ce qu'il faut en accompagnement, poisson, viande, même sur des petits toasts en apéritif, elle est vraiment délicieuse et très fruitée. Si vous voulez goûter, donc je suis présente sur le marché de la Souterraine le samedi matin, le dimanche matin, donc le petit marché de Saint-Pardoux-le-Lac, ou alors vous pouvez venir me rencontrer directement à mon exploitation, donc les délices de Liloubeille à Château-Pensac.